Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Béder le Mike. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ici, ça va plutôt pas mal. On est reparti avec Sam Porter. Et du coup, vous avez loupé une ou deux cinématiques avec la présidente qui est actuellement sur mon dos pour aller à l'incinérateur, puisqu'elle est morte, hein, Pusher. Donc, top secret, corps de la présidente. Oula, oula. Sam, je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de vous le rappeler, mais vous savez, chaque minute compte quand vous transportez des cadavres à détruire. Il ne leur faut pas plus de 48 heures après l'arrêt du cœur pour se nécroser et devenir des échoués voués à nous gâcher la vie. J'allais me casser la gueule, là. Putain, il s'est... En fait, des fois, il se met à courir, alors que j'ai pas du tout appuyé sur la touche... Oula. Mais je comprends pas pourquoi. Ah ouais, cool. C'est pour toi. Ok, donc on va aller récupérer une échelle, échelle qui, d'après ce que j'ai vu dans les petites sessions de gameplay, qui sont très grandes, elles peuvent être très grandes en fait. Ah voilà, c'était bien ça, c'était bien pendant la chanson quoi.
Là aussi, il y en a un qui a mis une échelle. Tu vois, tout ça, c'est les constructions entre nous, entre tous les joueurs. C'est trop bien, ce système. Et au début du jeu, tu peux choisir, du coup, de ne pas... Soit d'être connecté avec tous les joueurs, soit de ne pas être connecté, d'avoir ton monde tout seul, quoi. Ok, là, il avait mis une autre échelle. Attends. Ouais, mais qui passerait par là, quoi? C'est quoi ces trucs? Oula! Ok, on va monter. Tu vois l'échelle? Merci pour tout. C'est la galère, hein. Je pense que j'avais choisi un meilleur itinéraire. J'ai voulu utiliser ces constructions à l'autre là, mais il m'a fait une belle merde quand même, hein. Pourquoi il a choisi le côté le plus haut de la montagne? Tu pouvais passer par là, bonhomme. On arrive à l'incinérateur de la capitale relais. Ok. Voilà, au bout à peu près 48 heures à se transformer en machin là. C'est quoi toutes ces échelles? C'est des échelles que les autres ont posées ou alors des échelles que je peux récupérer?
Voilà pourquoi je mets pas souvent la caméra, parce que j'aime bien fumer. Donc, en jouant. Et je sais que c'est pas très bon pour l'image, un mec qui clope tout le long comme ça là. Ouvrir la fenêtre. C'est quoi? C'est le bébé? Qu'est-ce que c'est? Bébé 28. C'était l'unité attribuée à Igor. Il était relié à vous quand on vous a trouvé dans le cratère. Mais pourquoi il est là? Parce qu'il doit être incinéré. La ville relais centrale a disparu et notre siège avec elle. Tout ça parce que ce truc n'a pas fait son boulot. Tout est consigné dans les rapports d'Igor. Je vous signale qu'il est encore en vie. On ne peut pas le réparer. Et il ne survivra pas en dehors de la capsule. Inutile de s'apitoyer sur son sort. La décision a été prise. Il doit disparaître. Le directeur a approuvé l'ordre. Sam ne l'a pas approuvé, j'ai l'impression. Faut faire ça. Sam, Sam, vous me recevez? Je vous avais perdu à cause de cette foutue coupure. Alors, où est-ce que vous en êtes? La densité de pyralium n'arrête pas d'augmenter. Je suis dans la merde, voilà où j'en suis. Il y en a partout. Ça vient sur mon écran qu'on n'a pas pu conduire à l'incinérateur à temps. J'ai peur qu'il n'y ait pas grand chose à faire pour empêcher ça, c'est pour moi. Vous pouvez attendre la fin de la pluie? Non, je crois pas. Ils approchent de ma position. Faut que je parte avant qu'ils détectent ma présence. Sam, si une de ces choses vous dévore, ça provoquera une néantisation. Vous en échapperez, c'est sûr. Mais de toute cette zone, il ne restera plus qu'un énorme cratère. Faut pas mourir. J'ai une idée. Des nards, ça le prix. Ouais, tu veux plus marcher en fait. Oula, il s'agite le bordel. Ben voilà. Qu'est-ce que t'as à faire? C'est toi, bonhomme. Alors, restez discret et avancez avec prudence.
Barrez-vous. Allez là. Je comprends pas. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Je crois que c'est la corde qui m'a sauvé, les mecs. Attends, faut que j'aille là-bas. Bon, j'ai pas tellement compris comment leur échapper là aux bestioles parce que. Ben voilà quoi. Putain, j'ai les yeux qui piquent mon pote. En général, dans les jeux, bon, des fois c'est bien fait et tout, mais dès que tu te rapproches du visage du mec, tu vois que c'est pas humain, les certaines expressions, ou justement certaines expressions ne sont pas là, ou. Enfin voilà, alors que là, désolé, mais Norman Reedus, c'est Norman Reedus. Et tu te rapproches. Et même in-game. Je sais pas si on peut. Tu vois?
Quelqu'un m'entend ? Enfin, je m'appelle Sam. Vachement bien fait, franchement, un truc de fou. Alors oui, peut-être ils ont mis un moment à... Ils nous en ont parlé pendant longtemps et tout. De ce jeu-là. Ils nous l'ont fait saliver pendant un moment. Mais c'est la qualité au rendez-vous. Et je peux conduire ces trucs là? Revenez au centre de distribution. Locked. Ok, on est au centre de distribution. On est tout sale, tout dégueulasse. Et ça, c'est vraiment bien fait parce que je me serais pas pris dans cette merde là. De pétrole, on va appeler ça. Je serais pas sale. Mais là, ça a pris en compte. Miracle que vous ayez survécu tous les deux. Ce qui m'est arrivé. Quand une personne atteinte du dôme se branche à un bébé, ses émotions et ses souvenirs créent un retour. Comme une enceinte en fait. Il amplifie vos peurs et vos angoisses et risque de vous plonger dans un état dont vous ne pourrez jamais vous sortir. Je suis désolé, Sam, mais ce bébé a atteint ses limites. Il n'y a plus qu'une seule option pour lui, l'incinération. Sam, allez faire un point de toilette et rejoignez-moi dans le bureau de la présidente. Il faut qu'on parle. Je crois pas que Sam va accepter de tuer le bébé. Sinon, il en aurait pas un tout le long, quoi. Comme on a vu dans tous les... Pardon. Dans tous les teasers du jeu, quoi. D'ailleurs, quand Hideo Kojima est... à la douane, il est passé avec une réplique du bébé en taille réelle. Ils l'ont pris apparemment un peu pour un... Tu vois ? J'ai mal au dos, c'est un truc de fou. Ah, ça fait un cœur, la bulle qui est montée. Ok. All right. Sam, je croyais pourtant vous avoir dit qu'associer le Dooms et les bébés était dangereux. Une douche vous ferait sûrement du bien. Vous êtes encore couvert de kéralium. Il faut pas que la présidente vous voie comme ça. Mais de quoi est-ce que vous parlez, là? Elle est morte. Et vous êtes contrarié, c'est à propos du bébé 28. Trouvez-vous un autre larbin, parce que moi, je les emmerde. En tout cas, quoi que vous décidiez, sachez que vous lui avez sauvé la vie. N'importe quoi, c'est lui qui nous a sauvés, y compris vous. Restons-en là. Je vais m'occuper de lui, maintenant. Vous saluerez la présidente pour moi. Mais on vient d'aller l'incinérer, la présidente. Je comprends rien.
Il va bientôt être l'heure d'y aller, Sam. Ah la vache. Tiens, c'est un attrape-rêve. Porte-le quand tu iras au lit et j'empêcherai les cauchemars de t'approcher. Je resterai toujours avec toi. On en parle du placement de produit Monster là. Putain, c'est un truc de malade. C'est vachement bien fait. Putain, d'un coup comme ça, moi j'arrête pas à boire ça comme ça. Trois gorgées, ça pique et tout. Compris, elle est morte la présidente. Putain, je suis chaud, j'ai envie d'enlever ça, c'est un truc de... Vous avez assuré, Sam. Merci. Bridget n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais son héritage a une chance de lui survivre. Écoutez-moi, Sam. L'Amérique, la reconstruction, son rêve n'est pas mort. J'en ai rien à battre. Voici l'incarnation de notre espoir, de notre nouvelle Amérique. Je pense que le masque qu'il porte... C'est un hommage un peu à la mascotte de Kojima Production. Quant à toi, Sam, tu es venu jusqu'à nous. Vous ne vous étiez pas revu depuis 10 ans, c'est ça? Et malgré le temps qui a passé, elle n'a pas pris une ride. Il sait pourquoi. Mon corps est toujours sur la grève. Voilà pourquoi je ne vieillis pas. Aussi, en revanche, Sam, tu as belle allure. Alors comme ça, c'est du sérieux. Tu veux vraiment reconnecter tout et tout le monde. Il faut bien que quelqu'un succède à Bridget, Sam. Et plus important, il faut que quelqu'un perpétue l'héritage qu'elle nous a laissé et rebâtisse notre pays. Samantha America Strand, la nouvelle présidente. Un tout nouveau départ pour notre peuple. La meuf a America dans son nom, tu sais. Grâce à l'impulsion d'Amélie, nous allons donner naissance aux UCA, c'est-à-dire aux villes unies d'Amérique.
Voilà comment nous ferons pour rebâtir notre pays. United Cities of America. Nous ne pouvons pas sans votre aide, Sam. C'est non, ça m'intéresse pas. Je vous ai fait mes adieux à tous quand je les ai fait à Bridget. Tu sais bien qu'on ne t'a jamais oublié, Sam. C'est toi qui as fui et qui nous a laissés sans nouvelles. Amélie a mis sur pied une expédition. L'élite de Bridges 1. Pour partir vers l'ouest. Alors c'est quoi? C'est des grammes? Enfin des hologrammes, puisque j'ai vu qu'ils appelaient ça des grammes là-dedans. J'ai évité les cratères et le territoire des échoués. J'ai protégé leurs arrières pendant qu'ils cherchaient des survivants. Pas un seul échoué ne lui a échappé. Elle les voyait venir à 10 kilomètres. On a persuadé les gens de rejoindre les UCA, les uns après les autres. Et certains d'entre nous sont restés sur place pour les aider. Ça nous a pris 3 longues années. Mais on a finalement réussi à... Là, c'est en train d'expliquer le jeu, hein. Vous êtes arrivés au Pacifique. Incroyable. Ouais. Mais là-bas, tout a dégénéré. L'équipe a été décimée. Et Amélie, capturée. J'adore, ça avance comme dans les vieux jeux, tu sais, genre... Capturée. Tchac, tchac, tchac. Je ne suis pas retenue dans une cellule, ni ligotée, rien de ce genre. Je peux utiliser leurs installations et communiquer avec vous autant que je le souhaite. Mais je ne peux pas quitter la ville. Tout ça parce que ces types veulent que la ville relais frontières reste indépendante. C'est ce que disent ces ravisseurs, en tout cas. Ils exigent que les UCA les laissent tranquilles. Amélie et leur filet de sécurité au cas où on ne serait pas d'accord. C'est qui déjà, ces connards? Homo Demens. Des militants séparatistes. À la tête du relais frontières. Je vois bien qui c'est. Une bande de terroristes qui tuent des gens dans les villes pour créer des cratères. C'est ça. Ces types bravent tous les interdits. Et les néantisations, ça les amuse. Vous croyez que c'était eux derrière l'attentat suicide de la ville relais centrale? Ça se pourrait. On trouve des extrémistes de ce style un peu partout, en train de comploter dans l'ombre. Ils ne peuvent pas être centralisés. Il n'y a pas une organisation qui les dirige tous. Seulement une idéologie commune. Je sais que tout le monde ne partage pas la vision que nous avons de l'avenir. Si nous, les Américains, n'arrivons pas à tous nous unir, l'humanité ne survivra pas. J'ai véhiculé le message de ma mère auprès des habitants du pays tout entier. Tout le monde n'était malheureusement pas prêt à l'accepter. Ils ont été nombreux à choisir de rester déconnectés, isolés du monde, indépendants. Ils parlent des joueurs, là. Je pense. Sam. Mais moi, je veux me connecter. L'Amérique ne peut être rebâtie que par la force. Aux autres joueurs. Qui leur diront quoi faire. Qui les priveront de leur liberté. Et qui leur mettront des chaînes. Et vous m'avez mis quoi, là? Hein? Vous valez pas mieux que les démons. Une secte parmi tant d'autres. Sauf que ce ne sont pas des chaînes, Sam. C'est un symbole de nos liens. C'est ce qu'il nous faut dans l'immédiat. Non pas rester isolés, mais tous nous rassembler. Former des réseaux Kiro et nous reconnecter. Nous voudrions que vous partiez pour l'Ouest, pour terminer ce qu'Amélie a commencé. Les personnes qu'elle a laissées en cours de route font tout ce qu'elles peuvent pour mettre en place des terminaux pour le réseau. Pour le moment, ces terminaux sont totalement isolés. Votre mission sera donc de les activer. Pour y arriver, vous aurez un Cupidon. Cet objet contient tous les protocoles de sécurité et de fonctionnement nécessaires pour intégrer un terminal au réseau Kiral. Emportez-le vers l'Ouest, Sam. Et reconnecter les habitants de notre nation. Et quand vous atteindrez le relais frontière, trouvez Amélie et ramenez-la chez nous. Quand je reviendrai, j'assurerai la présidence et je poursuivrai le travail de ma mère pour réhabiliter le pays. C'était la dernière volonté de Bridget. C'est comme ça que nous pourrons aller de l'avant. Je t'en prie, Sam. On a besoin de toi. Je m'appelle Sam Porter Bridges. Je suis pas un stand. Je fais même pas partie de cette équipe. Vous en êtes assuré. Je
Je m'engage pas envers vous, ni personne d'autre. Ça n'arrivera plus. Non, attends. En fait, on dirait que Norman. Tu vois, c'est comme si j'étais pas là. Il joue Daryl en permanence, dans n'importe quel film, série, jeu, rôle qu'il a. Ben, il joue tout le temps le même personnage. Il fait partie de ces acteurs. Attendez. Comme le chef dans le vieux là, dans celui qui joue Hellboy, qui est dans la série des bikers. Là. Surpris quand ça va foirer. Ce sera pas la première fois. Non, franchement, vous tournez en boucle. Hein. Connectez, reconnectez, c'est pas aussi simple. Ça va, Sam. J'ai compris. Calmez-vous un peu. C'est très clair. On ne vous demande pas de vous engager aussi vite. Vous avez besoin de repos. Ça ne fait aucun doute. Le sommeil, c'est vital. Si vous ne vous reposez pas, vous risquez surtout de vous reconnecter à l'autre côté. Tout l'entretien nécessaire a été effectué. Et on a fait quelques ajustements et réglages, rien que pour vous. Le revoilà comme neuf. On peut dire que c'est rare de voir le Dooms et les bébés faire bon ménage comme ça. J'ai comme l'impression qu'il y a une certaine affinité entre vous deux. Je me trompe? Je sens qu'ils vont nous faire un sale coup. T'es là, oh, il est mignon. Schlack. Ah. Bon, on va aller encore délivrer un collier ou une connerie comme ça, puis ce sera la fin de cet épisode, puisque en fait, il y a tellement de cinématiques là, pour l'instant, que ça fait vite, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, et ça bouffe l'épisode, tu vois. Sam. J'ai mal au dos, hein. Aujourd'hui, Sam, t'es bien malade. Écoute, ton nom est Sam Strong. Non, c'est faux. Plus maintenant. Je m'appelle Sam Porter Bridges. C'est un drôle de mot, Strand. En anglais, c'est un lien ou le brin d'une corde. Mais Stranding signifie s'échouer sur le rivage. Et lorsqu'on est échoué, on ne peut pas rentrer chez soi. Je me trouve dans cette situation. Échoué sur le rivage du Pacifique. À des milliers de kilomètres de toi. Mais notre lien est toujours aussi fort. Bon, elle va le convaincre, sa petite tata. Je suis désolé, mais... Attends. Voilà, il rêve. Il se passe rien, je l'ai vu cette scène dans l'épisode... Juste avant de jouer, là, dans l'épisode de Seros. Sam, ici derrière Man. Vous avez dormi comme une souche. Les chambres privées sont dotées des commodités de base. Douche, toilette, etc. Utilisez-les pour vous reposer, inspecter votre matériel, consulter des informations ou ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au personnel. Mais avant, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas jeter un coup d'œil par vous-même? Allez donc voir comment Bridges fonctionne.
Sam, ici Hartman. Je suis chercheur. Je tente de percer les mystères des grèves, du Death Stranding, ainsi que ceux du Dooms et des rapatriés. La douche dans votre chambre a été conçue spécialement pour la décontamination chirale. La matière chirale peut perturber la sécrétion d'hormones et endommager le système nerveux. Il y a un lien direct entre l'exposition et l'apparition de phobies, voire dans certains cas extrêmes, de pulsions violentes et suicidaires. On pense même que la contamination chirale serait à l'origine de l'apparition du Dooms. Je dois préciser que ces douches ont une autre fonction, collecter votre sang, vos cheveux, vos fluides et autres déchets organiques. Elles constituent un moyen non intrusif de surveiller votre exposition au chiralium et votre état de santé général. Et je dois l'avouer, c'est une chance d'étudier votre physiologie hors du commun, étant donné que vous êtes un rapatrié, entre autres. Donc lui, c'est celui qui meurt toutes les deux minutes, là. Sam, ici Deadman. Ça reste quand même approximatif. Quand vous aurez... Salut. On s'est déjà vu, non? C'est moi qui dirige. Je suis... Mais aussi à l'identifier. Vous voyez le rouge, là? Eh ben, c'est votre sang. À ce terminal, là, vous pouvez consulter la base de données de Bridges, qui est une mine d'infos sur tout un tas de sujets. Vous n'avez pas accès à tout, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient vous servir dans vos pérégrinations. Cet tacle éliminera toute trace de matière chirale sur votre combinaison. En parlant de combinaison, la bleue est réservée aux livreurs, la rouge aux services médicaux, l'orange chargé de l'incinérateur mortuaire et la noire à la sécurité.
D'accord. Il a l'air con avec ses lunettes rouges. Alors, je suis débile. Vous avez eu le temps de réfléchir. Bon, écoutez, si vous avez kiffé cet épisode, mettez des petits thumbs up. Il est bourré de tiradium. Et laissez sans danger pour ceux qui ont le dooms. Et un petit commentaire qui vient plaisir. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Mets la petite clochette. Et puis comme ça, reconnecté. À demain pour un nouvel épisode de sûrement ça. Ou... Ghost Recon. J'ai du mal à chaque fois avec celui-là. Je vous laisse la fin de cette cinématique et je vous dis merci d'avoir regardé. À demain. Allez, ciao tout le monde.